Bonjour. Alors, ils sont chauds. La salle n'est pas encore remplie, mais ils sont bouillants. Salutations, bienvenue. Elle est où la caméra? Elle est par là. C'est un stream de professionnels. Bienvenue. Speedon 3, de retour donc à Paris, au Palais des Congrès, en public. Bravo, bravo. Oh, applaudissez-vous, c'est magnifique. Oh, quelle émotion de gaming déjà. Que d'émotion. Speedon 3, 24 heures de plus, 79 heures. On va très bien le vivre. On va passer un bon moment. On a des objectifs hauts cette année. J'ai mis tous les incentives trop chers. J'y crois à mort. Je pense que je ne serai satisfait qu'à partir de 10 millions. Voilà, je tiens à vous le dire. Donc voilà, la balle est dans votre camp, bien sûr. Speedon 3, 79 heures de speedrun au bénéfice, enfin, pour dont les dons, là, une collecte de dons pour Médecins du Monde, bien entendu, depuis le début. Ils sont avec nous à l'origine du projet. On les accueillera, eh bien, ma foi, aux alentours. Dans une vingtaine de minutes, on parlera, bien entendu, tous les enjeux avec Joël, directeur général. Mais on va commencer avec quelque chose de spécial cette année. Je m'étais dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait un stand de galettes saucisses comme Austin Fest? Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme activité? Donc, il y a des choses sur place, notamment avec une collection rétro gaming, une exposition rétro gaming de MO5. Cette fois-ci, il y a de la restauration pour vous. Vous pourrez vous alimenter sur place. C'est extraordinaire. Et beaucoup de choses. Le t-shirt, bien entendu. Normalement, tout est déjà ouvert. Donc, n'hésitez pas, le t-shirt magnifique, le design de Zoho est disponible sur la boutique. Point d'exclamation t-shirt. Tous les bénéfices vont à Médecins du Monde également. Et donc, on va commencer par un set musical très travaillé autour du speedrun, moult influence électronique, n'est-ce pas? On est un peu sur Arte pour l'instant. Et on va accueillir Can Blaster, grand artiste qui nous fait le plaisir d'être là. Et regardez ça. Ah bah t'as un micro finalement, bah on s'en fout. Très bien. Est-ce qu'il marche? Salutations. Ah, ah, superbe, ça marche. Bonsoir. Incroyable. Bonsoir, il est venu et voilà. Il a voulu faire un run à contrainte. J'ai mal géré la physique, seul. Exactement. Donc voilà, bon, c'est de la performance de haute voltige, donc c'est un run one-ended, hein, c'est ça? Exactement. Magnifique. Alors, est-ce que tu peux vous expliquer un peu en quoi a consisté le set? Alors c'est très simple, on m'a donné un petit quart d'heure de temps pour faire ce que je voulais. Du coup, j'ai pris une dizaine de jeux qui vont être runnés pendant ces 79 heures, c'est ça? Tout à fait. Et j'ai fait une petite minute, une minute et demie autour de chacun des jeux de mon choix. Et comme on est en mode speedrun, je me suis rajouté un petit truc qui est que le tempo va augmenter à chaque fois qu'on passe au jeu vidéo suivant. Voilà. Très très bon. Eh ben écoute, hâte de voir ça. Toi, t'es prêt à setup, tout est prêt à partir n'importe ouais, quand. Ouais, c'est parti. Ça envoie du lourd. J'attends le top. Tu attends le top. Très très bien. Et donc, on le rappelle, one-ended, 1%. Ça, c'est vraiment de haute voltige. Hein. Il l'a fait exprès. La régie, qu'est-ce qu'on en pense? On est chaud quand tu veux. Bah écoute, je vais te laisser, peut-être que je récupère ces micros. Allez. En attendant, et on se retrouve après ton set pour en reparler et pour la suite, à tout à l'heure. Et bravo!
You're now listening to A-Rap. This is a Zombie Gang exclusive. Yeah.
Yes, bravo. Ah, quel taf de fou. Gigi. Hop. Et time, et c'est fait. Time. C'est beau. Exactement. Ah, bravo, ça t'a pris combien de temps de setup tout Ben, une semaine. C'est du speedrun.